Hein, donc, il faut voir. On t'a envoyé vers moi, il y a quoi? Il va crier au lait. Il va crier au lait. Ne viens plus jamais ici. D'accord? Plus jamais, plus te voir ici. Je suis une femme mariée. Je suis pas célibataire. D'accord. Chérie, il y a quoi? Ah, manque, voilà le type dont je te parlais, ça. C'est ah bon? Ça. Monsieur, tu as osé venir jusqu'à ici? Non, hein, sinon, c'est moi qui occupais la chambre. Comme j'ai déménagé, j'ai oublié l'ampoule. Quelle ampoule? C'est ça que je suis venu chercher. Quelle ampoule? Elle m'a déjà tout narré. Elle m'a narré le début, l'étape où tu en es actuellement. Moi, je ne m'amuse pas s'agissant de ma femme. Je te f***erai, c'est fini. Comme tu le vois, je ne m'amuse pas. Tu as compris? Je te f***erai un point, un trait. Je ne m'amuse pas quand il s'agit de ma femme. Tu as dit de la déranger, elle te refuse, mais pourtant tu insistes. Ça veut dire quoi ça? Hein? Elle t'a dit qu'elle est mariée, non? Tu m'as dit ça, non? Tu m'as dit ça, non? Maintenant, je ne vais pas croire. Tu as intérêt à sortir de la maison maintenant. Et la prochaine fois que je te vois, même au portail, je f*** avec toi en même temps. Tu as compris? D'accord. Et dégage de la maison. Sors! Partez! Si je te vois même au portail, tu vas voir. Tout vous avez couru derrière la femme des gens comme ça, malgré tout ce qu'elle t'a dit, tu continues. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, le frère. Comment ça va? Ça va très bien. Moi, je suis en train de sortir comme ça pour l'église. Je suis en train de sortir. Ah, oh. Sinon, ma femme, elle est partie. Ta femme est partie? Asiba est partie, elle m'a abandonné. Donc, j'aurais voulu que vous priez pour moi pour son retour, pasteur. Elle est partie? Oui, elle est partie. Elle va revenir? Eh oui, elle va revenir. Okay. Je te prends rapidement. Merci beaucoup, pasteur. Alors, comment est-ce qu'elle peut partir comme ça? Je ne sais même pas. Qu'est-ce que toi, tu lui as fait? Je l'ai fait. Comment tu peux lui dire elle va partir? Je ne sais pas. Elle m'a laissé seulement dans la rue. Elle est partie. Je pensais qu'elle était à la maison depuis des jours. Je ne la trouve pas, pasteur. À cette heure? Merci, pasteur. D'accord. Je vais prier pour toi. Et puis, je vais aussi confier ça au Saint-Esprit. D'accord, pasteur. Elle va revenir. D'accord. Dieu lui-même a dit qu'elle va revenir. D'accord. Donc, c'est qu'elle va revenir. Amen. Mets-toi à genoux. Merci, pasteur. Oh, 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 ripopopo, que ta femme, Asiba, où qu'elle soit actuellement, qu'elle se rappelle de toi. Amen. Et qu'elle revienne à la maison. Amen. Parce que Dieu a dit que vous devez vivre ensemble. Puisque la parole de Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Oh Seigneur, la chair du frère aîné, c'est parti. Je veux qu'elle revienne à la maison. Amen. Maintenant, jusqu'à demain, qu'elle soit de retour. Amen. Au nom de Jésus. Amen, pasteur. Lève-toi. Merci, pasteur. Assieds-toi. Merci beaucoup, pasteur. C'est pour ça qu'il faut toujours être ami avec le pasteur. La Bible a dit, soyez amis avec les hommes de Dieu. Nous ne sommes pas vos ennemis. Mais le frère Ernest, tu ne m'as pas dit ta vérité. Ah bon, pasteur? Oui, parce que lorsque je suis en train de prier maintenant, c'est autre chose que tu m'as révélé. Mais c'est autre chose que tu m'as dit. C'est vrai que tu n'as rien fait à ta femme. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit que c'est parce qu'elle t'a trompé qu'elle est partie? Non, mais elle t'a trompé. Oui, parce que... Elle a couché avec une autre homme. C'est ce que la fille a dit. Oh, oh, c'est fort. Elle t'a trompé. Couché avec une autre homme, c'est pas bien. Mais lorsqu'elle t'a trompé qu'elle est partie, tu devrais laisser partir. Mais pasteur, je l'aime. Je l'aime beaucoup, pasteur. Non, mais tu peux pas l'aimer jusqu'à ce qu'elle te mette à la vitesse dans le couple. C'est pas possible. Et si c'est toi, qu'est-ce qu'elle va dire? Bon, comme je ne suis pas ici pour jeter la première pierre, Jésus aussi n'a pas jeté la première paix dans le temps. Donc, qui suis-je pour juger? Je vais intercéder en ta faveur et elle va revenir. Hein? Mais prochainement, il faut dire la vérité. D'accord, pasteur. Tu as compris? D'accord, pasteur. C'est très important. D'accord, pasteur. Quand ta femme te fait quelque chose, il faut dire. Je ne t'ai pas disposé de tes problèmes de couple. Hein? Oui. Mais quand même, il faut être clair pour qu'on sache comment prier pour toi. Sinon, moi, je viens de prier maintenant dans le vide, mais pourtant, c'est autre chose qui est là. Oh, merci, pasteur. Et Marion? Et prier pour qu'elle change aussi. Elle va changer. Quand 15 heures de retour, revenez me voir pour vos enseignements. D'accord. Tu abandonnes toutes les messes. Tu es absente maintenant, il y a très longtemps. Tu as amené les dîmes là maintenant. Pasteur. C'est important. J'ai amené les dîmes. J'ai amené les dîmes. Ce qui est là maintenant, c'est un faux bien. Et tu oses dire ça au Seigneur, c'est pas bien. Donc je vais vous faire mon bail monnaie une fois rentré. Tu connais le numéro, non? Oui, je connais le numéro. Oh, merci, le frère Ernest. Je vais ajouter les frais de retrait. Il ne faut pas oublier. D'accord, merci, pasteur. Fais ça chez MTN. Avec MTN, c'est bon. Oh, merci, pasteur. Merci beaucoup. Il ne faut pas toujours avoir le programme de venir me voir. Merci, pasteur. Le temps de vous passer. Asiba, je t'aime beaucoup. Hein? Asiba, ce que tu as fait, c'est grave.
C'est grave, c'est très très grave. Je vais devoir rembourser sa dot. Rapidement. Tu vas sortir d'ici rapidement. Allez me chercher, tu vas trouver une bâchée. Ramasser toutes tes affaires et revenir ici là maintenant. Je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire. Je ne veux pas rencontrer ce garçon. Je vais lui dire quoi? Qu'est-ce que je vais lui dire? Va me ramasser tes affaires. Vite. Allez. Gloria, tu étais au courant d'un truc aussi grave et tu m'as rien dit. Elle m'a dit de ne rien dire. Elle t'a dit de ne rien dire. Comment? Ce qu'elle a fait, c'est bon? C'est une bonne chose. Moi, ou bien tu trouves que c'est bon? Non mais donc ce qu'elle a fait, c'est correct. Toi même, tu vas faire la même chose. Ah non, jamais. Hein. Moi, quoi? Je lui avais déjà dit de venir vous voir pour vous parler, mais elle ne voulait pas. En tout cas, je l'attends. Je veux avoir ses affaires ici. Rapidement, je veux avoir ses affaires ici. Je peux aller continuer. Quitte là-bas! Dégage! Où est-ce que Asiba peut être maintenant? Je la cherche partout dans la ville, je ne la trouve pas. Ça. Oh, Asiba, pardon, reviens à la maison, s'il te plaît. Depuis des jours, je suis en train de te chercher, pardon. Monsieur, vous avez quoi? Vous êtes... Pardon. Et vous vous jetez sur les inconnus comme ça.